Du projet d'autoroute le plus cher des États-Unis à l'aéroport de l'île du Japon, en passant par le chemin de fer le plus cher de Chine, vous découvrirez aujourd'hui 5 des projets de construction les plus chers au monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus vidéo. Luxi. Initié le 5 août 2014 en Égypte par Abdel Fattah al-Sissi, ce projet a pour but d'accroître le rôle de la région du canal de Suez dans le commerce international et de développer les trois villes du canal, à savoir Suez, Ismaïlia et Port Saïd. Il offre un canal de navigation artificiel au niveau de la mer en reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge grâce à l'isthme de Suez. Estimé à 3600 milliards de dollars, ce canal de 72 km facilite la circulation des navires dans les deux sens, tout en minimisant le temps d'attente des navires en transit. D'ici 2023, il entraînera l'augmentation de la moyenne quotidienne de 47 navires à 97, l'accroissement des profits de 5,3 milliards de dollars à 13,226 milliards de dollars. On ne saurait aborder les projets de transit sous-marin les plus chers sans parler du tunnel sous la Manche qui relie le réseau ferroviaire britannique au réseau ferroviaire européen. Vous avez certainement pensé qu'il serait impossible de faire un voyage sous-marin avec sa famille sans être le déjeuner des baleines. Eh bien, ce tunnel vient étancher cette envie de voyager sous la mer, dans votre voiture, sans être au contact de l'eau et d'espèces sous-marines. Ainsi, la liaison de Coquel à Folkestone repose sur 15 milliards de dollars et bat le record du tunnel ayant la section sous-marine la plus longue du monde avec 50,5 km. Cette autoroute souterraine située au cœur de Boston est le fruit de 30 ans de planification et de 12 ans de construction. Bien sûr, les ingénieurs en charge du projet, rompus à la tâche, n'ont pas faibli face aux difficultés environnementales et techniques. Leur dur labeur a conduit à alléger la circulation de surface au sein de Boston en desservant des milliers de voitures. Le Big Dig comprend plus de 8 voies et 12,6 km d'autoroute, dont la moitié du tunnel se trouve sous la ville de Boston et son port, de quoi limiter d'éventuelles collisions lors de vos courses contre la montre. La mise en place de ce projet de 22 milliards de dollars a nécessité l'expertise de la société Bechtel. Sortons un peu des tunnels et effectuons un voyage dans la région du Kansai au Japon. Pour ne pas errer dans cette région, examinons de plus près le premier aéroport du monde construit sur une île artificielle. Un exploit incroyable. Il s'agit d'une île recouverte d'une couche de terre de 30 mètres, longue de 4,5 km et large de 2,5 km. L'expertise et la compétence des architectes en charge du projet furent éprouvées par les risques sismiques assez élevés et au typhon avec l'élévation du niveau de la mer à 3 mètres de hauteur. Ce serait malvenu de douter des capacités techniques des Japonais. En service depuis le 4 septembre 1994, l'aéroport hébergé par cette île accueille plus de 30 millions de passagers. Elle a nécessité un investissement supérieur à 24 milliards de dollars. Quand on parle des projets de construction les plus coûteux du monde, le chemin de fer à grande vitesse Pékin-Shanghai est incontournable. Ce projet de 4 millions de dollars aboutit à une double voie ferrée servant de passage au train à grande vitesse. Elle s'étend sur 1320 km et assure la navette Pékin-Shanghai en desservant aussi les villes sur ce tronçon. Ouvert au public depuis 2011, elle reçoit aujourd'hui plus de 210 millions de personnes. Grâce à ses multiples trains, cette société facilite non seulement la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi accroît considérablement son revenu annuel. Ce sont donc les projets de construction les plus coûteux jamais réalisés. Que pensez-vous de ces projets ? Avez-vous déjà eu l'occasion de visiter l'une de ces constructions? Si oui, faites-le nous savoir dans un commentaire. Sinon, lequel voudriez-vous visiter en premier? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Portez-vous bien et à bientôt.